Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes en duplex avec Angers, Nantes et Lyon, qui nous écoutent également. Alors, merci à tous d'être venus, à toutes. Ça circule mal, il y a la COP21, il y a le traumatisme des attentats, les restaurants sont vides. Bon. Mais vous êtes tous là, ça me fait plaisir, on est presque au complet. Vous voyez défiler derrière moi une petite animation qui est le début de du nouveau site internet de la Fondation. Actuellement, ce que vous voyez sur le site, vous avez vu que le site est en train d'être refait. Il sera dans les prochains jours, on est en train de le tester, il sera terminé dans les prochains jours. Et il vous présentera tout ce que l'on a fait, donc toutes les conférences qui ont été faites, les colloques, le travail en cours. Vous pourrez aller découvrir tout ce que nous faisons. Je vous fais vraiment 3 secondes l'actualité de la Fondation actuellement. Bon, la Fondation, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, nous avons, c'est une fondation d'entreprise AIA. Et nous avons un conseil scientifique, bien sûr, des liens avec les universités de Nantes, de Compiègne, de l'Université Sévienne, Compiègne et l'École de santé de Nantes. En 2016, on a 4 workshops très intéressants. On a un premier qui s'appelle Ville Santé, avec l'École d'architecture de Versailles et de Bangkok, qui sera menée par Richard Scoffier. Un deuxième qui est Bien vivre en Charleroi, avec l'Université de Liège. On a déjà collaboré avec eux, c'est très intéressant, ils sont très... très, très actif sur le thème de bien vivre la ville. Le troisième, c'est autonomie mobilité avec l'école d'architecture de Nantes et la gérontopole de Nantes également et la ville de Nantes. On va tester comment sortir les personnes âgées de l'hôpital et les faire vivre en ville avec des systèmes, des dispositifs pour les aider à garder leur autonomie et à pouvoir se déplacer dans la ville. Et le troisième, c'est territoire et flexibilité, qui est une recherche en cours, qui n'est pas encore terminée. Et on a donc un accord avec l'École polytechnique de Milan et l'École des hautes études de santé publique de Rennes pour faire un workshop également sur la flexibilité hospitalière. Voilà. Un événement important aussi pour juin 2016, c'est l'exposition chez Archistorm. Donc on aura une exposition en 3 temps, 3 semaines. Les 3 temps seront sur architecture, santé, environnement, qui sont les 3 thèmes de notre fondation. Et donc, on sera sur Paris pendant 3 semaines avec une exposition et 3 tables rondes. Une table ronde sur l'architecture, une table ronde sur la santé et une table ronde sur l'environnement. Voilà, à une semaine d'intervalle. Au lieu de faire une grande inauguration, on fera 3 pots à thème. Voilà. Alors, COP21, tout le monde en parle. Peut-être, pour ceux qui n'ont pas tout en tête, je rappelle quelques dates simplement. Ça a commencé à 92 au sommet de Rio, à ce moment-là, c'est la notion de développement durable qui a été soutenable, qui a été définie. Après, bon, il y a eu la COP1 en 95, la première COP à Berlin, qui a eu les premiers engagements chiffrés, la notion d'engagement chiffré et de mesures et d'engagement politique, mais c'était vraiment une notion embryonnaire. En 1996, la COP2 à Genève a été la proclamation officielle comme quoi les changements climatiques représentent un danger pour l'humanité. Ça a été la déclaration. Donc c'était à partir de ce moment-là qu'on a pris conscience qu'il pouvait y avoir quelques soucis. À Kyoto, bon, tout le monde a entendu parler des accords de Kyoto, qui était donc le premier rapport contraignant, cette fois, le protocole contraignant, le protocole de Kyoto. De 1998 à 2005, de la COP 4 à 11, il y a eu beaucoup de négociations pour clarifier quelle était cette notion de protocole contraignant. À partir de 2006 jusqu'à 2010, il commençait à y avoir des soucis parce que l'accord s'arrêtait en 2010. Donc ils ont commencé à réfléchir pendant 4 COP comment on pouvait aller au-delà de 2010. Ils ont eu le temps, donc, et il y a eu bien sûr l'échec retentissant de Copenhague à la COP 15. La COP 17 à Durban en 2011 a créé les fonds verts, qui est important parce que ça aide, c'est l'aide aux pays en développement, les pays les plus touchés par les problèmes climatiques. Et la 18 à Doha, ça a été la mise en place du nouveau protocole et des nouveaux accords à horizon 2020. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 21, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour le moment, où en est-on?
Donc, bon, ce qu'on sait, c'est que cette année, que qu'on dépassera les 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. On sait aussi que le seuil des 400 parties par million de concentration de CO2 va être aussi franchi cette année, sûrement là en décembre. Dans le cas des engagements actuels écrits avant le début des négociations, l'augmentation de température s'est comprise entre 2,7 et 3,5. C'est ce qui a été dit officiellement. Donc il va falloir négocier pour arriver en dessous des 2 degrés. Au rythme actuel, le seuil de 2 degrés sera franchi dans moins de 20 ans même, puisque le rythme actuel pourrait s'accélérer. Et les réserves couvées de combustibles fossiles, gaz, pétrole, représentent 3 fois ce que nous pourrons émettre pour rester dans les 2 degrés C, c'est-à-dire qu'on a encore une bonne soixantaine d'années, voire presque un siècle, avec de pétrole devant nous, ce qui ne va pas simplifier les choses quand on sait les difficultés qu'on a à renoncer aux énergies fossiles. D'autant que les hydrates de méthane, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est-à-dire le méthane qui est dans la mer, sont en cours d'exploitation par le Japon, qui veut renoncer totalement au nucléaire. Ça représente plusieurs siècles d'énergie gratuite, quasiment. Et ça ne réduit les émissions de CO2 que de 30%. Donc aujourd'hui, le Japon est fermement axé sur cette énergie. Tous les gisements ont été repérés autour de Sony. Et bien sûr, on a beaucoup de doutes sur ce que ça peut donner pour les fonds marins, ce qui est assez grave. Donc je pense qu'il va y avoir un peu comme les gaz de schiste, une espèce de tollé quand ça va commencer à sortir sérieusement. Voilà. Et dernier point pour aussi introduire le sujet, c'est que les changements climatiques sont le principal facteur de mobilité humaine. En 2013, donc l'IDCM donnait le chiffre de 22 millions de personnes déplacées à la suite de désordres climatiques, un chiffre qui pourra atteindre 200 millions en 2050. Ce qui, avec tous les événements qu'on a ces temps-ci, montre quelles conséquences à la fois politiques, sociales, enfin tout ce que ça peut donner, économique bien entendu, mondial, les déséquilibres que ça peut donner. Donc l'enjeu est important, et c'est pour ça qu'on a demandé à Franck Galland de venir nous parler du sujet, puisque effectivement il va falloir réagir dans tous les domaines et prendre en compte cet état de fait. Alors que Franck, que j'ai connu à Suez quand il était à Suez, qui a maintenant fait son bureau d'études, est très surbooké par ces problèmes-là, il va vous en parler. Il a écrit 3 ouvrages fort intéressants, Géopolitique, enjeux et stratégie, Le Grand Jeu, et puis il a participé à eau et conflictualité, les conflits liés à l'eau. Ceux qui ont vu James Bond ont compris que c'était un enjeu important, l'eau. Donc voilà. Et il va donc nous parler de résilience urbaine et changement climatique. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous en cette heure fort tardive, mais je vais essayer de vous donner une vision qui est une vision, je dirais, opérationnelle des enjeux liés au changement climatique mis en perspective par rapport à cette dynamique de résilience urbaine. Donc effectivement, j'écris de temps à autre, je dirais entre 2 déplacements, mais mon parcours n'est pas académique. Je suis vraiment un homme d'entreprise, j'ai passé 10 ans chez Suez Environnement, de 2000 à 2010, et j'étais le directeur de la sûreté du groupe. Donc je m'occupais notamment de tout ce qui était vulnérabilité de nos infrastructures en eau contre la malveillance. Je m'occupais beaucoup aussi de la sûreté de nos missionnés, nos expatriés, donc ça c'est des choses qui vont vous parler, compte tenu des menaces que nous connaissons à l'international et malheureusement sur notre sol depuis pratiquement plus d'un an aujourd'hui. Quand j'étais au contact de nos exploitants, je sentais monter, certes, un intérêt sur la malveillance, mais c'était surtout sur des problématiques de vol, de sabotage éventuel de nos installations, pas tant le terrorisme, même si au lendemain du 11 septembre, on avait été très fortement impacté, notamment aux États-Unis et en Chine, sur un besoin de sécuriser nos infrastructures en eau. Mais nos exploitants me disaient qu'ils étaient insuffisamment préparés à gérer des crises majeures dues à des situations de catastrophes naturelles. Donc on voyait le changement climatique à plein s'exprimer. Ils manifestaient leurs inquiétudes sur des problématiques de gestion de risques externes dus à des situations type AZF,
On a tous en mémoire cet événement à Toulouse qui a eu d'énormes conséquences humaines et matérielles. Et puis le troisième point, c'était effectivement la malveillance. Et quand on est opérateur de réseau essentiel à la vie, hein, pour moi c'est l'eau, l'assainissement, l'électricité, les télécoms, après viennent la santé, bien évidemment l'éducation, le transport, eh bien on se doit de se rétablir le plus rapidement possible sur nos deux jambes, parce que de nous dépendent trop de gens. Sans eau, bah, il n'y a pas d'hôpital qui peut recevoir l'eau nécessaire à son bon fonctionnement, les populations n'ont pas d'eau, les industries n'ont pas d'eau, et ce qui fait que ces opérateurs se doivent le plus rapidement possible de gérer l'événement malgré ce qu'ils ont à subir. Donc j'ai souhaité en fait dans cette présentation vous dire quelle est ma vision du changement climatique. Moi je pars du principe que le changement climatique, on ne doit pas le subir. Il faut que ça soit une opportunité. Vous savez, c'est le même idéogramme chinois qui signifie crise et opportunité. Alors aujourd'hui bien sûr que nos politiques, nos diplomates doivent trouver une solution, si possible contraignante, pour limiter le réchauffement. Mais le réchauffement il est là. Il va falloir s'y adapter, il va falloir adapter nos villes, nos campagnes à gérer cette problématique. Et heureusement, on a le savoir-faire des hommes, des femmes, des techniciens, des ingénieurs. On a de la technologie aujourd'hui qui nous permet d'y voir plus clair en termes de prévision, en termes de réaction, en termes de reconstruction. Et c'est ce qui va effectivement essayer d'éclairer mon propos ce soir. Alors j'ai essayé de l'adapter au profil qui est le vôtre, au profil des architectes que vous êtes. Alors, personne n'est parfait, je ne suis pas architecte, je ne suis même pas ingénieur de formation, même si je dirige des ingénieurs aujourd'hui. Mais effectivement, je souhaite vous montrer qu'on peut s'y adapter, qu'on peut anticiper, et que de toute manière, nous n'avons pas le choix, et que notre survie passe par là. C'est comme le terrorisme. Nous vaincrons le terrorisme, à la fois, certes, en mettant des gardiens, mais il va falloir repenser la manière dont on accueille le public dans nos salles de spectacle, dans nos stades. Et on a vu tout le savoir-faire. Ça aurait pu être un... Je sais que le cabinet a été particulièrement touché par les attentats, mais imaginons ce qui serait passé avant le match de football, à la mi-temps du match de football, si ce stade avait été évacué, à l'issue d'un premier attentat, ou à la sortie du stade, si les gars s'étaient fait sauter. C'était des centaines de morts. Donc tout ça pour dire que gérer un stade, on l'avait vu avec le hooliganisme, et c'est malheureusement et heureusement grâce à ce qui s'est passé dans les années 80-90 qu'on a pu éviter un carnage. Nos salles de spectacle, malheureusement, il va falloir les repenser. Et ça, c'est tout le savoir-faire des architectes que vous êtes pour essayer de redesigner la manière dont on accueille du public en grande quantité. On l'avait fait dans le domaine de l'incendie, bah, maintenant il va falloir le faire en matière de lutte anti-attentat. Je me suis beaucoup déplacé dans les années 2000, quand j'étais chez Suez, en Israël. La société israélienne vit avec le terrorisme en permanence. Et dans leurs infrastructures, prenez un centre commercial en Israël, n'a rien à voir avec un centre commercial en France. Il y a très peu de verre en Israël, par exemple. Pourquoi ? Parce que le verre tue. Le verre blesse en cas d'explosion, effet mécanique, et on est tué, on est blessé, d'abord par des éclats de verre et non pas par le souffle d'une explosion. Donc là aussi, il va falloir repenser les matériaux, il va falloir repenser l'infrastructure. Petite parenthèse faite, malheureusement, d'actualité sur le terrorisme. J'ai voulu vous donner, entre guillemets, certaines typologies de crises d'origine naturelle, malheureusement, qu'on va être de plus en plus amené à gérer, et ça, c'est l'exploitant, entre guillemets, eau potable qui parle. Parce qu'on intervient auprès des exploitants publics, privés, en France et à l'étranger, pour mieux les préparer à gérer ce type d'événement. Alors, il y a sans doute une diapo qui va vous faire sourire, c'est celle-ci. I don't believe in global warming. Oui, bah, il est là, d'accord. Parmi les crises climatiques possibles pour la ville, moi j'aimerais revenir, et on apprend qu'à force de se tromper, comme dit un vieux proverbe roumain, mais on doit apprendre de nos expériences récentes. On oublie beaucoup de choses, parce que l'actualité passe tellement vite, une crise succède à une autre crise. Mais les enseignements d'une crise comme Katrina, et je vais y revenir, sont essentiels. Pour moi, il y a eu un avant et un après Katrina aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans inondée, l'équivalent, je dirais, d'un tiers de la France inondée, des désastres, et on va y revenir, peu communs. On pensait que c'était le pire drame, et non, bah, ils ont connu Sandy aux États-Unis, 2012. Donc ça, c'est un phénomène de submersion marine, mais on avait déjà connu ça avec Xynthia en février 2010 sur nos côtes. On va parler d'inondations pluviales urbaines, on va parler de glissements de terrain, et on va parler de sécheresse et de très haute température, adaptées au monde où nous sommes. Alors, allez, je parle juste de Katrina. A failure of initiative. Bah oui, parce que, vous savez, les Américains, pourtant, ils sont super bons. Ils ont des moyens colossaux, et la logistique, c'est leur métier. Hein, le général Eisenhower était le concepteur, l'organisateur du jour J, c'était un logisticien. Il était un grand président des États-Unis. Ils mettent la logistique avant tout. Et malgré leurs efforts, malgré leurs moyens logistiques, ils n'ont pas su empêcher ça. Le bilan a été énorme. Les dégâts matériels, 44 milliards de dollars. L'impact économique a été vraiment colossal.
le port de la Nouvelle-Orléans détruit alors qu'il accueillait environ 6000 navires par an, et malgré ça, ils s'en sont remis. Et aujourd'hui, en termes de résilience urbaine, la Nouvelle-Orléans est devenue, entre guillemets, excusez-moi le jeu de mots, la mecque de tout ce qui est innovation en matière de résilience. Une crise, ils en ont fait une opportunité. Il y a tous les ans l'International Disaster Summit à la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez connaître les dernières technologies de drones capables de rentrer dans des ouragans, c'est là où il faut être. Donc on voit bien que on a malheureusement fêté, et Obama s'était déplacé bien évidemment lui-même, les 10 ans. Voilà une ville qui s'est transformée à force d'aménagement, à force de science et de technique. Donc là aussi, apprenons la manière dont ils ont géré. Moi, je me souviendrai toujours dans les fonctions qui ont été les miennes, et c'est ce qui a aussi motivé le projet d'entreprise qui est mis aujourd'hui, ça a été le témoignage de la patronne de la Société des Hôtes de la Nouvelle-Orléans, pour vous dire ce qu'elle a vécu. Et je pense que ce n'est à souhaiter à aucun exploitant dans le domaine de l'eau potable. Mais malgré les événements, ils ont pu déployer de l'ultime secours en eau, ils ont pu effectivement mettre à disposition d'hôpitaux, de populations, le nécessaire minimum en matière d'alimentation en eau potable, dans des conditions particulièrement dégradées. Donc on apprend beaucoup au contact de ce type d'événement. Alors, Xynthia, là aussi, on a l'impression que c'est loin. Non, c'était un traumatisme de toute une région, et je ne dis pas ça pour ça. J'ai épousé une Vendéenne, c'est la dernière des choses à faire. Mais dans les faits, c'est une région qui était excessivement marquée, comme la Charente-Maritime. Mais je dis bon sang, mais bien sûr, aujourd'hui, vous savez, les Vendéens, c'est comme les Bretons, ce sont des gens excessivement entrepreneurs. Hein, le taux de chômage en Vendée est sans doute un des plus faibles en France, c'est pas pour rien. Et il faut, si j'avais eu cette discussion avec un grand élu de Vendée, il faut malheureusement profiter de ce que nous avons subi pour reconstruire, pour vendre de l'expertise dans ce domaine, en matière de submersion marine, en matière de gestion des côtes, en matière de prise en compte des problématiques d'érosion. Et dans ce domaine, effectivement, y compris dans le domaine de l'eau potable, on a des choses à apprendre. À l'époque, c'était... Je vais parler du troisième opérateur qui est la SOR. La SOR a particulièrement bien géré cet épisode parce que la SOR est très présente sur la partie ouest de la France et ils ont été absolument remarquables en termes de mobilisation de moyens. Comme l'ont été, vous savez, sur cet épisode de Xynthia, ça aurait pu être largement pire. Il s'avère que, par exemple, le préfet de Charente à l'époque, c'était Henri Mas. Henri Mas, il sortait de son poste de directeur général de la sécurité civile. Quand il a vu les photos satellites, quand il a vu les prévisions météo, il s'est dit « je vais prépositionner du matériel ». Donc je vais demander aux SDIS d'aller dans certains endroits avec des matériels de groupe électrogène, des matériels de pompage pour pouvoir intervenir dès que la crise sera terminée, en plus près des populations. Heureusement, il a bien fait. Voilà. Donc là, le savoir-faire d'un bonhomme qui évite une situation bien plus dramatique que ce qu'il en aurait pu être, même si l'impact humain était très très fort et l'impact matériel particulièrement fort également. Alors, je ne veux pas vous faire un panneau de désastre, mais cette crise, on pensait que Katrina était loin, cette crise a remis le couvert sur la problématique de la vulnérabilité de la ville. Et pas dans n'importe quelle ville, la ville de New York et la côte est des États-Unis. Photo éminemment emblématique. Il s'avère qu'à titre familial, j'étais sur Washington et je suis arrivé à New York 2 jours après. Il était impressionnant de voir dans cette ville, la nuit, la moitié de Manhattan, sans électricité, et de voir des policemen au carrefour faire la circulation à la lampe torche. Moi, c'est l'image que j'en garde, parce que je peux vous assurer que les taxis new-yorkais, qui sont quand même réputés pour leur dextérité et leur vitesse, n'avaient pas foncièrement décéléré dans ce contexte. Donc, on voit bien que, là aussi, qui aurait pu anticiper ? Qui aurait pu savoir que New York aurait été aussi fortement impacté ? Et aujourd'hui, ils ont appris leurs erreurs. New York est en train de se transformer, on va y voir, on va y venir dans quelques instants sur les techniques, les méthodologies qu'ils déploient. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre du phénomène d'entraînement que New York est en train de créer, comme la Nouvelle-Orléans l'avait créé au lendemain de Katrina. Alors, je reviens aussi sur un épisode qu'on a oublié parce qu'on était tous sur nos plages, été 2007. C'est bien sympathique, je pense qu'il faisait assez beau en France, quoique le nord-ouest de la France était assez impacté aussi par de fortes pluies, mais le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre ont été complètement inondés. Vous avez une photo de Cameron en train de distribuer des packs d'eau. Vous avez ces boisers qui permettent, de 2-3 mètres cubes, qui permettent de délivrer de l'eau potable. Ça a par exemple complètement transformé la manière dont les sociétés d'eau britanniques gèrent des crises très impactantes aujourd'hui.
Il faut savoir qu'elles avaient des moyens en propre, elles les ont toujours, mais elles ont fait émerger 2-3 sociétés privées dont le métier est l'urgence opérationnelle en matière d'alimentation d'eau d'ultime secours. Donc là aussi, on a su s'adapter. Donc ça veut dire que vous avez une ou deux sociétés qui gèrent le stock, typiquement de citernes rigides, qui gèrent le stock de camions citernes, des 30 mètres cubes, des 15 mètres cubes, des 10 mètres cubes, capables d'alimenter en eau un hôpital, par exemple, en se couplant via une bâche souple et un surpresseur au réseau privé de l'hôpital. Tout ça, ça n'existait pas avant. Et heureusement que c'est là maintenant. À tel point que, par exemple, pendant les JO de 2012 à Londres, ce type de matériel était préalerté au cas où il y avait un problème d'alimentation en eau potable, par exemple, sur la zone de Wembley. Donc là aussi, on voit que le savoir-faire des hommes, à la faveur de ce qui s'est passé, permet de trouver un certain nombre de solutions. Les solutions ont été également dans le domaine de l'assainissement. Hein, si demain matin on a une crue sans tain à Paris, avec l'impact qu'on doit attendre au niveau de l'assainissement, tout le monde va vouloir trouver en même temps du groupe électrogène, c'est une chose, mais aussi des toilettes mobiles. Ça, c'est beaucoup moins évident à trouver. Et on voit que dans ce domaine, à la faveur, par exemple, des financements de Bill et Melinda Gates, il y a énormément de progrès qui ont été faits sur tout ce qui est aspect assainissement, toilettes individuelles à destination des camps de réfugiés, et qui sont heureusement parfaits aujourd'hui pour gérer des situations d'urgence opérationnelle type Haïti 2010 avec ses 250 000 morts et un pays complètement dévasté par le tremblement de terre. Alors, une crise que j'ai vécue, par exemple, c'est Casablanca. Il faut savoir que Suez opère l'eau, l'électricité, l'assainissement et l'éclairage public de Casablanca. On a eu sur Casa des pluies centennales. Pour ceux qui connaissent Casa, vous avez une trémie là. Donc une deux fois deux voies qui passe sous la mosquée Mohamed V, donc sur la salle de celle-ci, je ne sais plus. Vous voyez effectivement les mouvements de terrain qu'il y a pu avoir, et cette crise inondationnelle s'est immédiatement transformée en une crise électrique. Avec d'énormes enseignements, il s'avère que, à la demande de Lyonnaise des Eaux Casablanca, je suis intervenu dès décembre 2010, et on y est encore 5 ans après, en termes de problématiques, de progrès, de gestion de crise opérationnelle, tant d'un point de vue technique, technologique, que d'un point de vue méthodologique, et également d'un point de vue compétences humaines. Voilà, je préférais vous montrer des photos plus réjouissantes, mais c'est ça le changement climatique. Et en fait, tous ces exemples montrent qu'on peut quand même s'y adapter. Alors, glissement de terre en Martinique, Pascal qui est dans la salle doit peut-être s'en souvenir, c'est la Martinique S des Eaux qui avait particulièrement été impactée. Énorme glissement de terrain, ça fait partir tout ce que vous avez en sous-sol, ça fait partir ce que vous avez aussi de visible, et en particulier ce sont des grosses conduites qui partent dans ces cas-là. Donc dans ce domaine, il faut pouvoir réouvrir les usines, il faut pouvoir réacheminer de métropole durant un week-end, et Louis Béra qui est là, qui connaît particulièrement bien la Lyonnaise des Eaux depuis environ une quarantaine d'années, Louis, hein, plus que ça. Des crises comme ça, ça se connaît, mais c'est amené à se multiplier, compte tenu des phénomènes particulièrement impactants qu'on peut avoir en inondation pluviale urbaine. On l'a vu sur Cannes récemment, hein, typiquement. L'impact a été très fort sur les mouvements de terrain et sur des conduites qui ont pu être emportées. Voilà. Alors, à l'inverse, on a des phénomènes de sécheresse. Alors, je vous présente un phénomène tout à fait nouveau, auquel il faut malheureusement se préparer. C'est ce qui s'est passé l'été dernier. J'ai pu trouver ça, le terme que j'aime beaucoup, c'est le street pooling. C'est comment on transforme une rue en piscine. Alors, il y a des petits malins, cette jeunesse que nous devons gérer aujourd'hui, faute d'avoir pu la gérer depuis une quarantaine d'années, ils s'en sont pas pris effectivement à, certains lieux symboliques. Non, ils s'en sont pris au poteau incendie, pour pouvoir effectivement dégrader, pour pouvoir se rafraîchir. Mais vous savez que ça a provoqué un énorme problème au niveau des syndicats des eaux d'Île-de-France. Bon, au-delà des pertes en eau non facturées, mais ça c'est un phénomène déjà auquel on est confronté par rapport au vol d'eau, hein, sur des bouches et poteaux incendies. Non, les destructions ont provoqué des inondations, ont provoqué des grosses problématiques électriques. Hein. Par exemple, un poteau incendie qui était scié a inondé un poste électrique privant 1500 foyers d'électricité pendant plusieurs heures à Sevran. Des gens ont été blessés. Hein, là c'était un garçon à Bobigny, éjecté par le jet d'une borne sur laquelle il était assis, mais des passants ont été blessés, parce qu'effectivement, ça fait quand même des beaux jets d'eau. 300 ouvertures sauvages pour la seule journée du 3 juillet, ça, on va y avoir droit, malheureusement, de plus en plus souvent. La ville de New York a été confrontée à ça à la fin des années 90, et vous savez, les New-Yorkais,
c'est comme en matière de sûreté urbaine, ils sont particulièrement efficaces. New York est un coupe-gorge dans les années 80, et à un moment donné, il y a un chef de la police qui s'est un peu fâché, le maire aussi, et c'est devenu une ville safe. Pourquoi ils ont mis des moyens? Ils ont été innovants. Dans ce domaine du street polling, bah aujourd'hui, vous allez effectivement sur une station de pompiers new-yorkaise, vous allez, y compris chez certains détaillants, on vous donne des sprinklers, hein, des bouchons sprinklers que vous venez connecter sur les bouches incendie. Quand il fait absolument très chaud, vous avez même autorisation de le faire, et ça permet d'avoir, entre guillemets, une bouche incendie qui éjecte, mais de l'eau brumisée, et non pas de l'eau en grande quantité comme sur les photos que vous voyez. Donc là aussi, il va falloir s'y adapter. Et je pense qu'il y a sans doute un bon marché pour les brumisateurs urbains, parce que ce qu'on a vécu là, bah, on va le vivre, ça va être vécu dans d'autres villes françaises, de grandes métropoles françaises ou des villes secondaires, plus des villes occidentales. Donc bah, il faut le prendre en compte en avance de phase, et comment on gère ce problème demain, et comment on gère ces actes de délinquance urbaine. Alors, si je rajoute à ça les typologies de situations de crise liées aux interdépendances, parce que là, c'est le climat qui vient directement impacter nos installations par rapport, par exemple, dans le domaine de l'eau potable, ou dans le domaine des télécoms, ou dans le domaine de l'électricité. Mais le problème, c'est que quand le climat s'y met, on est impacté de manière indirecte par des interdépendances amont, que sont l'énergie, parce que sans l'énergie, on ne fait rien, on ne fait pas d'assainissement, on ne fait pas de production d'eau potable, pas de distribution d'eau potable, et parfois aussi les télécoms. Alors dans ce domaine, si vous regardez un peu dans le domaine quoi, sur l'eau, que je connais particulièrement bien, on avait effectivement essayé de montrer l'ensemble des interdépendances qui montrent que bah, nous, quand il y a une crise véritablement de fourniture d'hydrocarbures, type blocage des ports, on est potentiellement impacté. Quand on a une grande crise neige, comme c'est arrivé, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, avec la région parisienne bloquée, sur sa partie ouest en particulier, bah, on peut avoir des problèmes de réactifs. Donc tout ça, ça s'anticipe aujourd'hui. Conclusion, les problématiques climatiques, comme les problématiques, effectivement, de rupture d'interdépendance, se doivent d'être particulièrement prises en compte par un exploitant de réseau essentiel à la vie. Donc, je vais passer assez rapidement, mais autant vous dire que quand Orange connaît sa grande crise technique, là, c'est un gros incident d'exploitation à l'été 2013, bah, il y a un impact sur des postes isolés, par exemple, les sites isolés dans le domaine de l'eau potable. Pourquoi ? Parce que les informations sont transmises par GSM et que bah, Orange, incapable de fournir du réseau, bah, à l'évidence, on a un impact sur la manière dont on lit, par exemple, du réservoir à distance. Alors, dans ce domaine, le plus bel exemple, c'est les tempêtes qu'on a pu subir, et on en a subi des belles. Ça a commencé par Lothar et Martin, j'y viens. Lothar et Martin, décembre 1999, on se préparait tous au bug de l'an 2000, rappelez-vous. Et heureusement, on avait tous prépositionné les groupes électrogènes. Et c'est pas le bug de l'an 2000 qui est arrivé, c'est une énorme tempête, avec bah, les chiffres que vous voyez, 173 km/h à Paris, pas mal, avec des victimes, mais en fait, c'est surtout des impacts électriques qui ont eu un impact sur les interdépendances avales, et bien évidemment sur les populations. Suite à ça, il faut savoir par exemple que EDF a bien réagi et a créé la force d'intervention rapide électrique, qui est sans doute aujourd'hui une des meilleures au monde. Hein, on peut faire un cocorico, en tout cas une des meilleures en Europe occidentale, à la faveur de ce que les Américains ont vécu récemment, et certain que les opérateurs privés américains vont être meilleurs en termes d'anticipation et de réaction dans les années à venir. Mais en tout cas, on peut s'enorgueillir, suite à ce qu'on a vécu, d'avoir une force d'intervention rapide électrique particulièrement compétente, à tel point qu'elle a été aujourd'hui l'ossature de la force d'action rapide nucléaire que EDF a mis en place au lendemain de Fukushima. Donc ça, c'était 99, mais bah, malgré ça, on a connu Klaus en 2009, c'était pas mal non plus, et il est intéressant de voir qu'entre eux, par exemple, là vous avez les rythmes de réalimentation comparés d'EDF, donc vous voyez très bien par exemple que quand vous prenez une tempête de 99, où ici même on a un retour à la normale uniquement au bout de J plus 12 jours, et puis bah, vous avez une tempête Klaus qui 10 ans après, grâce à l'ensemble de ce qui a été mis en place par ERDF, vous avez quand même un retour à la normale à 99% au bout de 8 jours. Et puis donc je dirais un pic de réalimentation qui est quand même beaucoup plus efficient, beaucoup plus opérationnel. Donc c'est dû à la fois aux capacités de réponse rapide, mais c'est surtout dû aux investissements, au durcissement des infrastructures, bref, à des problématiques de résilience urbaine. Donc là, on voit aussi qu'on peut s'adapter.
Le vrai danger aujourd'hui, et c'est pour ça que la problématique terroriste est quelque chose vraiment qu'on doit prendre en compte, parce que vous savez, les terroristes sont des gens égotiques, ils adorent qu'on parle d'eux, ils sont surtout des gens innovants. Il ne faut pas les prendre pour des crétins. Hein, les gens qu'on rejoint Daesh aujourd'hui, ben vous avez des ingés, vous avez des spécialistes en système d'information. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de cyberattaques que depuis la guerre en Syrie. L'armée de libération syrienne, par exemple, est particulièrement efficace en matière d'attaque informatique. Donc tout ça pour dire que ces gens-là, ils sont très forts en matière de sites industriels. Et vous savez, on a eu Atocha dans le domaine du ferroviaire, on a eu les Twin Towers dans le domaine de l'aérien, nous on a eu le culturel avec le Bataclan, etc., etc. Les bombes de Londres dans le domaine des bus, ben, un jour on aura du site industriel, hein. Il faut être très clair. Donc il faut les durcir ces sites industriels, parce que ces sites industriels déjà, quand ils sont impactés par une catastrophe naturelle, et que par un effet domino, on crée ce qu'on appelle un phénomène de NatCat, hein, comme le dit Linéry, c'est-à-dire qu'on a, suite à un problème naturel, un incident technologique majeur. On est dans le cas de Fukushima, hein, et vous voyez les conséquences qu'un tsunami peut avoir sur la sécurité d'une région, d'un État et de l'ensemble de l'Asie-Pacifique. Et c'est arrivé au Japon, sachant que les Japonais sont super bons en matière de préparation à des désastres. Ils vivent avec le phénomène tremblement de terre depuis des siècles. Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, ils sont géniaux. Il faut savoir qu'ils ont inventé, par exemple, des conduites qui réagissent au niveau de leur raccord en fonction des séismes. C'est-à-dire qu'elles bougent, mais elles ne rompent pas. Vous avez des réservoirs qui passent sous les écoles, qui sont d'énormes tuyaux, en fait, des tuyaux réservoirs, avec deux capteurs sismiques qui fait que dès qu'on a une anomalie sismique, ça se ferme et l'eau reste prisonnière. Et avec un système de pompe à main, depuis l'école, depuis l'hôpital, on peut continuer à alimenter les populations. Donc ce sont des gens excessivement innovants qui anticipent, et malgré tout ils ont eu à gérer ça, et malgré tout ça a été mal géré. Mal géré, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans les faits, l'impact économique, l'impact démographique, l'impact santé publique est énorme. Donc tout ça pour dire que ces infrastructures, il va falloir mieux les protéger, parce qu'aujourd'hui les sites Céveso typiquement, je pense, sont sous-préparés à gérer du désastre naturel et sont sous-préparés à gérer de la malveillance d'origine criminelle ou terroriste. Ils sont parfaits en termes de sécurité de process, ça fait Céveso, Faisin, on a tous en mémoire ce qui s'est passé dans le couloir rodaïen, plus tout un tas d'événements Bhopal ou autres. Mais là, il va falloir qu'on change de paradigme. On passe au 21e siècle avec des fous dangereux qui sont capables de prendre en otage, mais ça ne dure pas très longtemps aujourd'hui, mais en tout cas de neutraliser un poste de sécurité, d'aller directement, il n'y a qu'à voir ce qui circule sur Internet, au nom de l'information des populations. Aujourd'hui, c'est criminel. J'ai fait une interview récente dans Chalon sur le sujet. Le titre est donné par la rédactrice en chef, c'est « Peur sur la ville ». J'aurais pas pris ce titre-là, mais j'ai piqué un coup de gueule en disant « Il y a trop d'informations sensibles sur nos sites industriels majeurs disponibles à tout un chacun. » Et aujourd'hui, vous savez qu'un terroriste comme un pickpocket, il prépare, c'est d'abord 90% d'observation, 10% d'action. Il a tout pour préparer un dossier d'objectif. Il a Google Earth, formidable, je regarde. Il a Street View, il va se balader à proximité du site. Tiens, il va sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable. Ah oui, c'est effectivement un site très très dangereux. Et puis il y a les belles photos sur la photothèque de quelques objets particuliers. C'est absolument criminel. Donc là, il va falloir rechanger de posture pour durcir cette approche de la sûreté des infrastructures. Mais c'est la même chose au niveau de la prise en compte des catastrophes naturelles, je pense. Alors si on regarde les bilans de tout ça, je vous ai fait juste un petit tableau que j'ai importé et emprunté à Munich Re, donc le grand réassureur. Regardez le bilan des catastrophes 2014. Objectivement, les choses s'accélèrent. Pourquoi elles s'accélèrent? Parce qu'on a cette problématique de changement climatique, mais aussi on a des villes de plus en plus imbriquées, de plus en plus denses, des sites industriels qui sont de plus en plus dans la ville. Et conclusion, quand on a un problème d'impact, forcément, les accidents succèdent. Et donc on voit très bien que le nombre d'événements était en gros de 830 et sur les 30 dernières années, 84-2013, de 640. Bon, 2013, oui, 920 événements majeurs, 2014, 980. On a des overall losses et donc vraiment des dommages généraux et des dommages assurés. Vous voyez les chiffres, hein, on parle en milliards de dollars bien sûr. 2011, on retrouve typiquement le phénomène du Japon. En termes de victimes, c'est le tremblement de terre d'Haïti. Mais ces sinistres sont de plus en plus impactants sur nos réseaux de vie, sur nos vies, sur nos villes. Et ma conclusion, il faut se préparer malheureusement
à les anticiper, à essayer de limiter l'impact et surtout de se rétablir le plus rapidement possible et dans des logiques de reconstruction, durcir et se rendre effectivement un peu plus résilient. Alors dans ce domaine, j'avais commis toujours effectivement mon souhait de laisser entre guillemets une petite trace. J'avais commis ce rapport qui est disponible sur le net. Je vous invite à le regarder parce que ce qu'on a voulu faire sur la Méditerranée à la demande de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, c'est valable sur l'espace euro-méditerranéen. Donc on faisait appel à des problématiques de solidarité régionale en matière de gestion des catastrophes, d'anticipation au niveau de plans de secours, parce qu'aujourd'hui, on va être très clair, les plans communaux de sauvegarde, par exemple en France, bon, c'est une obligation légale, mais les gens mettent des croix dans les cases. Alors il y a des élus qui font très très bien leur travail, je prends une ville comme Nice par exemple, qui gère du risque urbain. Nice est une zone sismique. Bon, la prise en compte du risque urbain à Nice, c'est une réalité. Prenez une ville comme Saint-Quentin dans l'Aisne, avec Xavier Bertrand, député maire. Son DGS est issu du monde de l'urgence, son directeur de cabinet actuel est issu du monde de l'urgence. Ils veulent devenir un site pilote en matière de gestion des crises majeures. Ils ont inventé le village des risques, c'est un truc assez génial, qui tous les ans se réunit sur une semaine, et vous avez l'ensemble des risques urbains. Alors Renault met une voiture pour bien montrer à la jeune population que faire un tonneau, ça peut faire du dégât. Le RDF a son stand, etc., etc. C'est quand même 15 000 personnes dans une ville secondaire comme Saint-Quentin qui viennent sur une semaine. Ouais. Ça participe, entre guillemets, à la culture des populations, et c'est bien. Donc, tout ça pour dire qu'on peut mettre en place des plans, et des vrais plans, on peut éduquer, on peut sensibiliser, on peut prévenir, et aujourd'hui, moi je ne peux que saluer l'arrivée, et on en a tous, de smartphones. Le smartphone est un formidable outil de gestion de l'urgence. Pour envoyer des messages, vous avez tous reçu sans doute sur Facebook ou autre, pendant les attentats, une petite application, est-ce que vous êtes en sécurité? Moi je l'ai reçu, je pense que d'autres dans la salle l'ont reçu. Vous cliquez oui, ça veut dire que les gens de votre réseau savaient que vous étiez en sécurité, vous n'étiez pas touché par ce qui s'est passé au Bataclan et sur les terrasses. Voilà, ça c'est, entre guillemets, notre avenir, et c'est tant mieux. Et vous voyez très bien des sociétés comme Twitter aujourd'hui, qui se mettent sur le créneau de l'urgence, parce que Twitter c'est des tout petits messages qui permettent typiquement de faire du top-down en disant « voilà l'information qu'on vous délivre, mettez-vous à l'abri ». Et à l'inverse, ça permet de faire du bottom-up, où vous prenez une photo et vous envoyez de l'information, je dirais, à l'appli Twitter, qui derrière reroute l'information vers des services de sécurité ou d'incendie ou de secours. Donc ça, c'est excellent, comme Google. Google, aujourd'hui, vous le connaissez, ce groupe tentaculaire, mais ils sont très très impliqués dans la gestion des crises urbaines, avec leur Google Crisis Response Project, qui permet typiquement au lendemain d'un tremblement de terre de mettre sur une carte les points de distribution d'eau potable. Après Sandy, vous aviez l'ensemble des Wi-Fi disponibles pour permettre aux gens effectivement d'aller sur une borne Wi-Fi et puis de communiquer avec leur famille. Donc ces acteurs des réseaux sociaux s'impliquent de plus en plus sur la réponse des villes urbaines. Mais ça c'est bien, et je pense que la réponse passe aussi. On a vu de la méthodologie, on a vu de la compétence, du training, on a vu des réseaux sociaux, donc tout l'aspect communication et alerte aux populations. Mais ça passe aussi, et là je viens à votre profession, donc j'ai essayé effectivement de m'adapter à ce que vous êtes, sur des constructions nouvelles, sur des aménagements nouveaux dans les villes. Dans ce domaine, juste pour revenir sur la résilience. Alors on en parle beaucoup, la résilience, il n'y a qu'à voir tous nos grands experts sur BFM ou autre ITL, qui vous parle de résilience de la ville par rapport au terrain. Très bien, très bien, c'est rentré dans les mœurs. Revenons aux fondamentaux. Le terme résilience a été inventé en 2002 par une équipe du MIT. Et ça visait à désigner resilience, la manière dont les grandes villes qui ont rencontré de nombreux dommages s'étaient remises à reconstruire et à gérer les conséquences de la crise qu'elles avaient subie. Ils ont commencé par Dresde, par exemple, complètement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont travaillé sur Mexico, grand tremblement de terre de 1999. Et puis progressivement, on a vu ce terme d'urban resilience s'imposer notamment sur des grands colloques urbains, par exemple le Local Government for Sustainability, et parfois on confond un peu la ville durable par rapport à la ville résiliente. La ville résiliente, ça fait partie de la ville durable. Si la ville ne peut pas rester sur ses deux jambes quand malheureusement
tout s'effondre autour d'elle, bah, elle ne sera pas durable. Ça, c'est très clair. Il faudra reconstruire ailleurs. Donc, on voit que, effectivement, ces initiatives, à la fois professionnelles, internationales et onusiennes, portent le concept de Resilient Cities aujourd'hui, et en marge de COP21, et ce n'était pas le cas sur les précédentes COP, on voit des sommets s'organiser en parallèle, on voit des ateliers, je crois que c'était aujourd'hui que sur le Bourget, il y avait un atelier sur la ville résiliente. Alors, pour moi, parce que je suis basique, c'est quoi la ville résiliente? Alors, la ville résiliente, par rapport aux problématiques d'inondation pluviale urbaine, de submersion, c'est d'abord la ville qui va réintroduire de l'espace naturel dans ses zones urbaines. Et on le voit avec notamment les conséquences de Sandy sur la ville de New York qui veut réintroduire des sponge parks, des parcs éponges sur le bas de Manhattan, là où c'était complètement bitumé, donc où l'herbe ne poussait plus. Ben non, il faut réintroduire une culture marécage au milieu des villes. Avoir effectivement autour des Alpes ces grands bacs végétalisés qui récupèrent l'eau de pluie, avoir ces parkings qui permettent une infiltration douce, là où on a des parkings classiques en zone urbaine. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, ce que je vois, et ça c'est du made in UK, il faut savoir que les Britanniques, tous les ans, organisent la Flood Defense Conference. C'est l'endroit où il faut être en matière d'innovation pour protéger la ville par rapport aux inondations. Et dans ce domaine, ils inventent tout un tas de choses. Alors ça a été les Big Bag Defense System, vous savez, ces sacs de chantier remplis de terre, remplis de gravier, qui permettent d'avoir des barrières mobiles, parce que mobiles, on peut les bouger avec effectivement un lifter. Mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui sont ces barrières permanentes qui permettent effectivement de sécuriser une ville. Mais ça va jusqu'à réintroduire, et on le voit, des cultures huîtrières en baie d'Hudson, pour casser les vagues. Hein, quand on est à Saint-Malo, on voit, vous savez, ces grands chênes, non, c'est plus des chênes, mais ce sont des grands troncs, voilà, qui sont plantés dans le sable. Ça permet de casser les vagues, c'est nos grands anciens qui ont inventé ça, pour éviter que la jetée soit emportée par les soirs de grand vent. Donc là, aussi, on va introduire un certain nombre d'innovations. Moi, je suis assez admiratif de ce que font, par exemple, des gens comme Lafarge, en matière de béton poreux. Ça, c'est nouveau. Et la Nouvelle-Orléans était une zone test pour Lafarge sur son produit hydromédia. Effectivement, on produit de drainant quand même à 50 litres par mètre carré et par seconde. On voit des aménagements. Donc, cette photo a été prise, effectivement, sur Manhattan. C'est une vue espérée, mais réintroduire de la chaussée poreuse, de façon à limiter les apports sur les réseaux d'assainissement. C'est le même principe que ces parkings que je vous ai décrivés tout à l'heure, ou les problématiques de sponge park. Donc ça, c'est intéressant, et il faut absolument pousser ces innovations. Et nous, entreprises françaises, nos groupes d'ingénierie, nos architectes, on a nous-mêmes des solutions à apporter dans ce domaine. Et donc, moi j'appelle, je dirais, et je vais y revenir, assez à une démarche nationale sur le sujet. Mais on va en parler dans quelques instants en abordant l'exemple des Pays-Bas. Vous, ça va vous parler immédiatement, l'architecte. Alors, c'est intéressant de voir que Brad Pitt, par exemple, a financé un programme, un peu comme Bill Gates qui s'engage depuis ce matin sur le changement climatique, après s'être énormément investi dans le domaine de la santé. Ben, là, c'est Brad Pitt, alors ne me demandez pas pourquoi, qui a voulu, au lendemain de la Nouvelle-Orléans, développer des maisons individuelles abordables et destinées à être plus résilientes. Donc on voit bien que ces maisons sont sur pilotis, on voit qu'elles comprennent des écrans anti-tornades en Kevlar, qu'elles sont entourées de béton poreux pour la voirie, tout en étant autonomes énergiquement. Et là on voit tout l'apport du solaire, de la géothermie. Moi je dis que le solaire c'est formidable, etc., on y va, mais c'est surtout bon en matière de situation post-désastre. Il est clair que le solaire doit pouvoir s'exprimer là où il y a du soleil, mais doit aussi pouvoir s'exprimer là où sont les risques urbains. Puisque le premier impact, et on l'a vu tout à l'heure en première partie, est d'abord un impact en termes de fourniture d'électricité. Donc si on a de l'hôpital qui est capable d'intégrer, grâce à la géothermie, à du solaire, effectivement des moyens de résilience, bah, c'est du temps de gagner sur le retour à la normale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, maison résiliente, je vais vous parler, moi, de quelque chose qui vraiment qui est pour moi le modèle à suivre. C'est le modèle néerlandais.
Les Néerlandais, c'est comme les Japonais. Les Japonais vivent avec le risque de tremblement de terre depuis des siècles. Eux, ils vivent avec le risque d'inondation depuis des siècles. Avec, et ça, on a oublié, 1953, c'est de très nombreuses victimes, ça se chiffre en milliers, 13 milliards de dollars. Et suite à ça, ils ont lancé le plan Delta. Ça a mis 40 ans à être finalisé, mais aujourd'hui, ils ont des infrastructures particulièrement innovantes, notamment ce Mainstand Kering, là, qui est deux fois plus long que la Tour Eiffel, qui est en fonction depuis 1997, et qui est effectivement une barrière amovible anti-inondation qui protège Rotterdam. Mais on le voit aujourd'hui, l'ingénierie conseil néerlandaise est partout où vous avez du risque inondation, à la fois pluvial urbaine et en submersion. Ils ont été les conseils de la Thaïlande. On a oublié les inondations thaïlandaises, mais ça a quand même paralysé l'industrie informatique et l'industrie automobile pendant des semaines. Tout ça parce qu'il y avait un petit fabricant de pigments de peinture, par exemple pour l'industrie automobile, qui était sous l'eau et qui était utilisé par l'ensemble de la filière. Donc là, on voit aussi que pour la prise en compte du risque sur la supply chain, il y a sans doute des progrès à faire. Mais anyway, aujourd'hui, au chevet de la Thaïlande, vous avez des Néerlandais. Au chevet des États-Unis, vous avez des Néerlandais. On est intervenu sur une usine de traitement d'eau usée qui a été complètement noyée pendant Sandy au mois de juillet dernier. Effectivement, ce sont les Néerlandais qui ont fait le conceptual design, le detail design, de façon à ce que cette usine, on ne va pas la déplacer, puisse être plus robuste une prochaine fois. Ils ont mis, par exemple, effectivement, une chaussée assez haute pour protéger cette usine des vagues. Ils l'ont remplie de capteurs. Ils ont mis des systèmes de pompage un peu partout. En tout cas, ils ont une vraie ingénierie de la prise en compte de ce risque naturel. Donc là aussi, il faut que l'ingénierie française, les architectes, cabinets d'ingénieurs conseils, plus les sociétés qui ont des solutions à apporter dans ce domaine parce qu'elles opèrent des réseaux essentiels à la vie, s'unissent pour essayer de vendre cette expertise à l'international. On le fait déjà dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'industrie hydroélectrique, mais là on est sur de la ville durable. Moi j'aimerais qu'on arrive à s'unir sur de la ville robuste. Et il y a des solutions à apporter, il y a de la demande dans ce domaine. Et pour moi, la ville robuste prend aussi en compte les problématiques d'attentats et de gestion des foules et de création d'une bulle tactique, par exemple, sur des événements spéciaux. Il faut savoir que le Bourget, aujourd'hui, c'est sans doute l'endroit sur Terre qui est le plus protégé à l'heure où on se parle. Tant sur la prise en compte de la menace NRBC que sur la prise en compte de la menace Air-Land, etc., etc. Voilà. Et puis, je vais terminer sur cette problématique de... Subir l'eau, c'est une chose, mais y vivre, c'est mieux. Et ce que je vois, c'est quand même qu'à l'horizon 2050, 70% de la population mondiale vivra en zone urbaine et que 90% des plus importantes villes du monde seront situées en zone côtière. Donc il est à l'évidence nécessaire, et vous le savez en tant qu'architecte, de repenser le rapport entre eau et habitation. Et là aussi, je prends l'exemple des Néerlandais qui inventent ces villes sur l'eau. Voilà. Ça, c'est made in Holland, mais c'est exporté d'ores et déjà sur un certain nombre de petits paradis sur Terre qui sont menacés par la montée des eaux. Je pense notamment aux Seychelles, mais je pense aussi à certains pays du Golfe qui, bien qu'en étant sur les côtes de la mer d'Arabie aujourd'hui, souffrent de problèmes sérieux dans ce domaine. Et donc, ont surtout les moyens de s'offrir ce type de concept. Et donc, c'est intéressant à suivre. Et là, je crois qu'il y a des progrès, des innovations à apporter. Et puis, vu que les architectes sont des gens, et ça c'est sous forme de clin d'œil, particulièrement innovants, voici ce que certains architectes ont conçu. C'est une tsunami house, capable de résister à des murs d'eau jusqu'à, alors j'ai cité « up to 8 feet high », a 7.8 earthquake and 85 mph lateral winds. Donc vous comprendrez, on parle tous anglais. Et donc il y a même une flood room. Vous savez que de plus en plus, on a dans certains bâtiments, dans des zones particulièrement criminogènes et crisogènes, des panic rooms. Et bien là, il y a une flood room qui est effectivement susceptible d'accueillir, si le bâtiment malgré tout était noyé, un certain nombre de personnes. Et je parle du principe que ces flood rooms, si elles avaient notamment existé lors de la tempête Xynthia, on n'aurait pas perdu autant de familles stupidement qui sont, je dirais, parce que ces maisons vendéennes sont des maisons sans étage, et donc elles ont été piégées par. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Je serais ravi, en tout cas, de répondre à vos questions. Je suis sûr que vous en aurez. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons le 2 février avec Filippo Monteleone qui nous parlera de son livre « Patient, réveillez-vous ».
qui est de qui va parler de la santé et de la et du, de la santé vers les patients et non pas les patients vers la santé. Et ça sera également passionnant, je sais. Alors on se retrouve autour du buffet traditionnel. Merci à tous d'être venus. Merci à Nantes, Angers, Lyon. Merci.